que là, l'heure est grave. Ah bah, l'heure est grave. Enfin, Nikos, mon ami, toi, tu es mon ami. Ok, bon, il y a Carla au milieu et Nico, il a voulu aujourd'hui te piquer avec ça. Hein. Donc, lui, ce qu'il a voulu faire, c'est un petit peu. Genre, en gros, t'énerver. Il a voulu t'énerver, il a réussi. Il a voulu. Non, mais c'est ce qu'il a voulu faire. En faisant ça, il a voulu t'énerver ou pas? Kevin, il en a gros sur la patate parce que Nicolas est allé un petit peu trop loin cet après-midi à être comme ça constamment sur le dos de Carla. Et du coup, j'ai essayé un petit peu d'arranger les choses parce que Kevin, c'est mon ami, Nicolas, c'est mon ami. Moi, je suis au milieu de ça et j'ai vraiment qu'une envie, c'est que les deux, ils se réconcilient. Il a fait un petit chambrage qui, on va dire, allez, pas de bonne guerre, mais bon, voilà, c'est un battle, c'est la guerre. Kevin, il a gagné, trop fort. Voilà, t'es sauvé pour cette semaine. Lui, il aime ma femme, je crois qu'il est amoureux. Ah putain, non, pas il est amoureux de ma femme, lui. Ouais, c'est vrai que je parle toujours de moi. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'aiment, hein, j'en fais partie. Non, t'as vu, là, par contre, c'est un non. Tu parles encore comme ça de ma femme, encore une fois, sur la même chose. On sait que Nico, c'est pas quelqu'un de méchant. Mais Nico, il est pas méchant. Mais le temps qu'il va pas dire à Carla, même si voilà, on n'a pas oui, des rapports. Est-ce que tu as une discussion avec lui? Pas du tout. Mais il devrait. Mais c'est un homme. Demain. Moi, demain, il va avoir oui, Carla. Oui, je sais. Il va avoir Carla. Je dis, Carla, je peux te parler. Oui, voilà. J'aurais jamais dû te parler comme ça. Par rapport à l'amitié que j'ai avec Kevin. J'ai compris. Tu vois ce que je veux te dire? Avec Nico, ça a frité cet après-midi. Et moi, le temps qu'il vienne pas s'excuser à moi et à Carla, je veux pas l'entendre parler dans la maison. Je veux qu'il prenne pour tout le monde en plus. Si je veux pas qu'il y en ait un qui parle mal à ma femme, celui qui ose mal parler à ma femme, il sait ce qui lui attend. Ok, je vais aller voir Nicolas. Moi j'ai pas de problème. Ouais, Nico, parce que au final, toi, tu es même pas en tort, tu as rien fait. Mais moi, j'ai rien fait. Oh, c'est bon, j'ai compris. C'est bon, je vais voir Nico. Vas-y. Nico! Quand tu es arrivé ici, tu as dit à Carla. Tu vois, toi, je t'aime pas. Je te. Ouais. Mais ça n'était pas bien. Ça, c'est pas la bonne guerre. Si on aurait fait ça à Babaja. Si on aurait fait ça à ta femme, frérot. Si on aurait fait ça à Babaja, tu l'aurais fait. Ok, mais la première fois, on a eu une discussion, on a parlé avec Carla, on lui a dit des choses, tu vois, mais on n'a jamais été méchant, on lui a jamais dit. Pourquoi Kevin, il me prend pas à part et pourquoi il. Parce que Baté, c'est Cantor. Toi, Cantor, enfin, c'est toi qui dois aller le voir. Toi, Cantor, il est Pandore, lui. Si vraiment Kevin, c'est ton ami. Mais c'est que pour Kevin. Tu vas t'excuser auprès de Carla, juste pour Kevin, parce que c'est ton ami. C'est pour Kevin que tu le fais. C'est tout. C'est pas pour Carla, c'est pour Kevin que tu le fais. Je dois aller m'excuser à Kevin. T'es à Carla. Bah vas-y, d'abord pour Kevin. Allez, viens. Allez, viens. Depuis cet après-midi, je parle plus du tout à Kevin et c'est vrai que ça me fait mal. Ce que j'ai fait, ça se fait pas. Ça se fait pas vis-à-vis d'un ami et voilà, je vais aller faire mon meilleur coup. Ça va? Et toi? Bah ça va. Bah pas trop. Pas trop parce que tout cet après-midi, j'ai réfléchi, j'étais mal. Je peux poser une question? Ouais. Tu sais que tu arriveras pas à parler. Moi, demain, il y a Laura, je viens l'attraper comme ça. Toi, je t'aime pas, toi, je t'aime pas, toi, je t'aime pas, et personne t'aime dans la maison. Tu vas faire quoi? Sois honnête. Juste sois honnête. Je dis, Kevin, je te l'ai dit. Dépasse les bornes. C'est normal que je pète un boulon. Imagine, je fais ça à ta femme. Et qu'en plus, je suis ton ami. Ouais. Imagine. Ouais. Tu fais quoi? Tu pètes un câble au bout d'un moment. Bah, je pète un câble, mais. Non, tu pètes un câble, c'est obligatoire. Mais tu pètes un câble fort en plus. Et je sais que tu es pas un mec méchant. Mais je te dis, j'ai voulu tout l'après-midi, frère. Je le sais. Je sais que Nico, il s'est permis de faire ça juste parce que, il y a dû avoir des personnes qui ont manqué de respect à Carla pendant que j'étais pas là. Et du coup, il s'est dit, vu qu'ils l'ont fait, pourquoi moi je le fais pas? Je sais qu'il est pas méchant. Du coup, je l'explique. Je lui explique les choses comme si j'étais son père. Je le vois qu'il est pas bien, mais ça n'excuse pas. Je veux qu'il s'excuse à ma femme. Non, je suis retour là-dessus. Mais je sais que. Et moi, je te le dis, si tu me respectes au moins ça, tu l'attrapes à Carla, tu lui dis, voilà, même si on n'a pas de rapport amicaux. Je m'excuse, j'aurais pas dû faire comme ça. Je te parle ça. Non, mais moi, je voulais d'abord m'excuser vis-à-vis de toi. Mais y a pas de problème. Je ne m'adresse pas à ta femme. Y a pas de problème. C'est mon ami. Mais oui, je suis ton ami. Je suis désolé. Mais je le sais, tu as. Je suis voulu tout de l'après. Mais je sais, il y a des mots qui dépassent les pensées. Je le sais. Je suis désolé. Mais je te dis, mais va voir Carla, juste ça me ferait plaisir. Ça va. Mais ne pleure pas, vraiment, ne pleure pas, frérot. Je pleure pas. Ça me touche parce que t'es mon ami. Je dois pas parler comme ça. Tu sais que si t'as besoin de n'importe quoi, tu sais que je serai le premier à venir. Je dois pas parler comme ça à ta femme, mais tu aurais jamais parlé comme ça à la mienne. Jamais. Alors? Jamais, il veut te parler. Non, mais tu peux rester, hein. Non, vas-y, parle. J'ai dépassé les limites tout à l'heure, j'aurais pas dû dire ça. Je me suis voulu tout l'après-midi, en fait. C'est vrai que toi et moi, on n'est pas meilleurs potes. Non, mais en fait, c'est pas la question d'être meilleur pote, Nico. J'ai l'impression que tu confonds tout, en fait. Moi, les amis de mon chéri sont mes amis, en fait. C'est ça que tu comprends pas. Et pour moi, c'est logique. Donc, quand tu t'acharnes sur moi tout le temps à dire « Ah, Carla, ah, Carla, ah, Carla », je me dis « Mais d'où c'est son ami, Kevin ?» Mais à force,
je comprends que Kev, il pète un câble. C'est vrai. Je comprends. Non, il a raison. Ce qui me fait vraiment beaucoup de mal, au-delà qu'on me pique, parce que ben voilà, j'ai l'habitude depuis le début d'aventure d'être pointé du doigt, c'est que Kevin, c'est un vrai gentil. C'est le premier à être généreux, à outrance avec tous ses amis. Et du coup, ça me fait de la peine ben, que, en fait, il se permette de faire ça alors que lui, il se permettrait même pas le quart. Et en fait, c'est ça qui me fait le plus de mal, de voir Kevin malheureux à cause de ses amis. Je voulais pas te manquer de respect. Et ouais. t'es la femme de mon ami et je. C'est bon, ça peut arriver. Je t'ai dit, ça peut arriver. En fait, ça me fait encore plus de peine quand ça vient de toi. Non, mais ouais, en plus, je te jure que Nico, quand tu dis j'aime pas cette personne, c'est que je t'ai fait quelque chose. Parce que sinon, tu te dis je m'en fous de cette personne. Mal exprimé. Ouais, mais de là à dire je l'aime pas, c'est que je t'ai fait quelque chose. Genre, c'est dur comme mot. Genre, je t'aime pas, je t'ai rien fait de particulier. Juste après, c'est sûr qu'on se côtoie pas tous les jours. Mais après, en soi, quand on se voit, on se dit bonjour. Quand on se voit, on rigole. Même depuis le début, là, quand j'étais avec Kevin, on rigolait. J'étais vraiment mal, je vous joue toute l'après-midi. Mais je sais, mais t'inquiète, pas besoin. Non, mais j'ai franchement. Y a pas de désolé, Carla. J'accepte tes excuses. Moi, je suis pas quelqu'un de rancunière. Pour moi, voilà, Nicolas, j'ai rien contre lui, à part que bah, je pense qu'il a simplement suivi un petit peu tous ses collègues. Maintenant, on va passer outre. J'espère juste qu'il reproduira pas les mêmes erreurs prochainement et qu'il saura faire son propre avis sur moi au lieu d'écouter bah, certaines dettes. Oh, allez, arrête, vraiment, c'est bon. Allez, voilà. Ah, mais j'ai l'air de. C'est bon. Non, c'est pas grave. Allô, c'est pas grave. Allô, tu sais que la qualité de quelqu'un, c'est de savoir s'excuser. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un de faible de s'excuser. C'est normal. Ça arrive. Moi, ça m'arrive de péter un câble. Et le lendemain, venir, pardon, excusez-moi. Ouais, tu comprends, quand tu aimes une personne, frérot, qu'on parle mal à la personne que tu aimes, c'est normal. Arrête. Je craque, frère. Arrête. Tu veux jouer la copette et tout, j'essaye de te faire mal alors que t'es bon. C'est pas grave. Toute la duche avec toi, tout. Mais c'est pas grave. Allô, je t'ai dit, ça existe plus. Ouais, Nico, vraiment. Ça m'a fait mal au cœur quand t'es venu comme ça vers moi. Je me dis, putain, on est des inconnus, frère. Nicolas, il a du mal à s'en remettre. Ça me fait de la peine de le voir comme ça. Mais après, je pense que dans la vie, quand tu fais des erreurs, il faut les accepter. On peut tous en faire. Moi, tu t'excuses, tu reconnais tes torts. On oublie. Voilà, c'est comme si c'était du passé et ça n'a pas existé. Hé, hey, mes copains! Allô? C'est parce que ça m'a fait du mal. C'est comme si je ça va mieux, mes copains? Ouais, ça va. Ouais. Qu'est-ce que mon bébé? Non, ça va. Tu as beaucoup d'émotions, toi, cette année. Hein ouais, ça lui a fait de la peine qu'on soit disputé. Et il m'a dit, voilà, ça. Eh bien, une bonne dispute, des fois, ça fait du bien. Ça fait alors, du bien, des fois. Ça va mieux? C'est une fois que tu pleures. Ça me fait de la peine. Ça va mieux. Allez, serrez-vous bien fort d'un moment. Allez, faites-vous un gros câlin. C'est comme si ça n'avait pas existé. Bah c'est bon. Allez, c'est bon. En fait, je me suis dit dans ma tête, putain, c'est des salauds. Ben voilà, mais c'est ce qu'on te dit depuis le début. Mais il a compris. Ben voilà, tu pleures plus. Tu me connais, je suis la personne la moins rancunière ici. Chef à cœur. Ouais. Il faut que tu sois chef, mais que tu baisses un peu la pression. C'est vrai que cette année, je suis hyper compète, je veux absolument la coupe et j'en oublie l'amitié. Je peux titiller, mais il y a un certain degré à ne pas dépasser. Mais tout est bien qui finit bien parce que ce soir, on a su mettre les choses à plat avec Kevin, avec Carla. Maintenant, on est réconciliés. La soirée peut redémarrer. Allez, venez faire la fête, allez, pour la noche. Allez, on se dit de la noche. C'est mon anniversaire, ça y est, ça arrive, tout le monde est content, tout le monde danse, c'est l'anniversaire du fraté, c'est le birthday week. Ambiance, on fêtera bien comme il faut demain parce que j'ai une soirée exceptionnelle pour lui, il est pas prêt. Voilà, je me languissais vraiment d'arriver dans l'aventure pour faire cette soirée, mais en tous les cas, maintenant place à la fête. À danser. Franchement, on est choqués. Nous, c'est une facette de lui qu'on n'avait jamais vue. Finalement, il s'intègre. Bah, je suis trop contente. Tout est top, vous êtes tout au top, là. Tu te sens mieux? Oui. C'est vrai? Non, mais hé, Ricard,
dans ta caravane, t'es un bon gars. Tout le monde est bon, tout le monde est gentil. Non, pas tout le monde. Il y a des gens qui ont des points mauvais, tu n'as pas un point mauvais. Tu es un stratège. Je t'amuse, toi. Bonjour. Tu passes une bonne soirée. Oui. Regarde si t'étais parti, toi. Tu ne serais même pas amusé ce soir. Oui, c'est vrai. Je pense que la discussion qu'on a eue avec ma famille, ça nous a permis de crever tous l'abcès et de passer à autre chose. Et moi, en tout cas, personnellement, ça me fait du bien, quoi. Ça me fait du bien. Il est temps de festoyer dignement. Yalla! C'est le sujet, on va dire. Mais derrière, tu me connais. Je suis pas un mec qui fait des coups d'éclat tous les 4 matins, je vais te dire. De faire ça, déjà, c'est chaud. Frère. Si elle vient te voir, tu as fait lui parler quand même. Bien sûr, mais oui, non, je vais pas lui parler. C'est sûr. Parce que je suis pas encore. Quand je suis encore, quand je fais n'importe quoi, quand je fais que de la. Mais là. Marine, est-ce qu'on ne met pas en question? Et donc du coup, moi non plus. Ce qui est sûr, c'est que je ne retournerai pas vers elle. Je me connais, je sais que je suis encore énervé. Je sais que je lui reproche encore des choses. Je ne vais pas décolérer à avoir un bon moment. Appelle-la discrètement. On a quatre. C'est moi qui te tire. J'y arrive pas. Clairement, il m'a foiré ma soirée. Je suis même pas en colère, je suis triste en fait. Je suis triste et j'ai vraiment pris un coup dans mon cœur. Donc j'ai pas envie de retourner vers Benji. Ma mère, ça va se venir. C'est pas pote. C'est quoi, c'est chiant. Arrête, toi. Arrête, toi. Tiens, tu l'as entendu. Arrêtez. Vous allez vous parler, il a dit. Mais si on doit se parler, on se parlera. C'est pas bien. Allez, bon, toi, là-bas. Super chiant. Assis-toi, assis-toi. Tiens, c'est ma soeur. Tiens, c'est ma soeur. Moi le petit. Benjamin et Marine, au final, les deux, ils sont pareils. Quand ils sont braqués. À un moment donné, je sais pas qui va faire le premier pas. Et là, pour le coup, je me dis que ça va être compliqué. Bah, si tous les deux, ils veulent pas parler, bah, ils risquent pas de se réconcilier. Allez, dodo. Oh, quelle soirée. Quelle soirée. J'abandonne. Bah toi, qu'est-ce que t'aimerais? Qu'il s'excuse? Ah, mais s'il s'excuse pas, si elle ne met pas ses torts, ça veut dire qu'en fait, j'accepte ça. Ça veut dire que plus tard, en fait... Ouais, tu donnes ça, il prend ça. C'est mort. Mais je pense sincèrement qu'il va s'excuser. J'espère. J'espère aussi. Parce que moi, j'irai pas vers lui, c'est mort. J'espère vraiment, au fond de moi, que Benji s'excusera pour les propos qu'il a eus. Il se rend pas compte qu'en fait, il m'a blessée. Et s'il retourne pas vers moi, bah tant pis, je préfère tourner la page que de souffrir avec Benji. Bon, on va voir qu'il s'excuse. Demain soir, c'est le birthday au fraté. Demain, je me réveille, c'est la journée birthday. Il y en a assez bonne. Je me couche avec Paga et Benjamin. C'est vrai que Paga est arrivé aujourd'hui dans l'aventure. Je suis trop content de dormir avec lui. Et Benjamin, lui, il a un gros embrouille avec Marine. J'espère que demain, ça ira mieux. Parce que j'ai pas envie que mon anniversaire soit gâché par des cris. On verra bien demain. Et Benjamin, célibataire, c'est... Ah, trois nuits que j'avais pas dormi seul. Putain. Tout ce qui s'est passé ce soir, ça m'a vraiment grave refroidi. Je suis saoulé, je suis énervé, je suis triste, déçu. Pour moi, c'est terminé. Je veux pas d'une relation comme ça, en fait. C'est fini, c'est mort. Là, pour moi, c'est mort. I wanna make a difference. A slave to the distance you keep. And ever since you're on my wish list, I keep on falling for your outlet door. Ça va. Bah, j'espère qu'il viendra te parler aujourd'hui, Benji.
quand il gagne pour le conseil, bah, je te promets, je suis pas décidé à les faire. C'est à lui de venir. Non, mais c'est à lui de venir, j'espère juste que... Bah, qu'il fera la part des choses. Ce matin, je suis un peu triste. Et en fait, au fond de moi, j'espère que ça va s'arranger. Mais en fait, s'il vient pas, bah, c'est pas moi qui irai vers lui. Pour moi, c'est lui qui a fauté, c'est lui qui a été méchant. C'est bon, j'ai parlé de son ex, le mec qui s'est enflammé. Enfin, je veux dire, moi, je suis pour rien, c'est une rancœur avec elle. Donc, s'il y en a un des deux qui doit faire le premier pas, bah, c'est à lui. Allez, t'inquiète pas, chérie. Oh, t'inquiète pas. Et moi, j'ai pas envie de me prendre la tête, hein. Oh là là. Là, si on n'est plus trop là, c'est envie de prendre le chou comme ça. C'est pas mon délire. Vas-y, continue. Anniversaire, fraté papa Tanti. On disait gagner frérot, c'est un anniversaire, faut kiffer là. Ah ouais. Ouais. Je me réveille ce matin, je suis tout excité. Comme d'habitude, pour l'anniversaire du fraté, jamais loupé depuis 8 ans. Heureusement qu'ils vont gagner à temps. Sur le bon timing, je suis chaud patate. Aujourd'hui, c'est fiesta party. Ce soir, c'est la night. C'est la night. C'est la night. Ça fait, c'est la night. Qu'est-ce que tu fais? C'est la night, c'est ton ami. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Tout le monde me réveille. C'est la fête, c'est la folie. Ok, aujourd'hui, c'est la fiesta. Raté, joyeux anniversaire. Allez, je viens. Joyeux anniversaire, toi, bon anniversaire. C'est qui ça? Benji, bon anniversaire. Pardon, mon Benji. Non, attends, je te fais un câlin. Benji, arrête de demander à des gueules. Ben, c'était tout, Marine. Hein, voilà. Je ne sais pas si je vais pas le faire à la fin quand même. Alors là, c'est tout anniversaire, vraiment. Julien, c'est vrai qu'il est toujours le premier à me faire des blagues, à m'arroser, à me faire la misère. Du coup, je décide un petit peu de le taquiner. Je veux absolument me venger. C'est tout anniversaire. Happy birthday. Bye, bye. Ça va? Bah Benji, t'es pris plutôt dans la gueule aussi, voilà. C'était pour l'anniversaire à Jules, mais ça lui fait pas de mal. Je suis un petit peu en chance pour toi, du coup. Benji, attends. C'est gentil. Il a morflé un peu. C'est de bonne guerre. Benji, j'espère que ça va lui rafraîchir les idées et que ça va lui permettre de réfléchir à ce qu'il a fait et de revenir vers moi. Il va falloir une bonne petite discussion, là. Oui. Entre lui et moi? Ah ouais. Ouais, mais il faut que ça vienne de lui. Si ça vient pas de lui, ça sert à rien. Pour moi, Marine, elle a dit des choses qui se disaient pas. Benjamin, il a haussé trop le ton. À un moment donné, ils peuvent pas se disputer pour une battle de poèmes. Faut qu'ils remettent leur ego de côté et qu'ils arrivent à se réconcilier. Le problème, c'est que Marine, elle veut pas faire le premier pas. Du coup, je décide de retourner voir Benjamin. C'est vrai que j'essaie un petit peu d'arranger les choses. Ça me fait de la peine de les voir comme ça. En plus, je les apprécie beaucoup et je les trouve très mignons ensemble. Ouais, Marine, elle veut que ce soit toi qui lui parles. Oh, ouais, ben. Tu vois, elle a fait beaucoup de l'athlétisme, mais ben, elle peut courir. Franchement, pour un poème, c'est parti. Mais très c'est loin. C'est pas pour un poème, mais... c'est question de rancœur un petit peu. C'est caché derrière un poème, tu as compris? Oui. C'est pire. Marine, pour moi, c'est à elle de revenir vers moi. Parce que hier, on s'est disputé. Je m'en suis pris plein la gueule pour rien. Et la dispute, elle part d'elle. Qu'elle me parle mal, qu'elle parle de mon ex. Et après, qu'elle me fasse passer pour un mec méchant. Ben, j'accepte pas, en fait. Non, mais on peut mieux faire, les filles. Que là, comme ça, c'est bien. Jules adore faire des problèmes, mais d'un autre côté, heureusement qu'il est dans cette maison, puisque la vérité, il amène la bonne humeur. C'est pas un méchant, il essaie quand même d'apaiser les tensions. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Donc, pour cette occasion, on décide de lui faire un petit déjeuner. Ah, Fraté là... Fraté. On te met là, bien. Très bien, là. Ah oui. Ça va? Oh putain, on peut faire son mariage voilà. Tous les jours. Allez, pousse! Franchement, il m'avait fait un beau déjeuner, merci. Avec plaisir. Mais là, c'est jackpot. C'est carrément le reste du monde qui me fait à manger. Je pouvais pas rêver mieux. Je suis trop content. Tout le monde a pris soin du fraté. On se ferait pas une matinée piscine? Allez. On se mettrait pas bien à la piscine, les gars? Allez, on se fait une petite piscine, là, on se met bien. Allez, piscine. Ok,
T'imagines, frérot, quand même, quand tu y penses. C'était bien, faites une déclaration, un poème, c'est parti en live. Il y a vraiment que des fous sur Terre. On se prend la tête comme ça, là. C'est du cake. Au lieu d'être contente. Ouais. Elle pète les plombs pour rien, parle de mon ex, et après, c'est elle qui pleure et c'est elle qui attend que j'aille lui parler. Mais alors, sur ma vie. Ouais, mais le problème, c'est que là, tous les deux, vous allez pas venir. Elle a fait une grossière erreur. Ouais. Et c'est même pas une question de fierté, c'est qu'elle a fait une grossière erreur. C'est vraiment une erreur pour moi. De tout mélanger comme ça, de s'en prendre à moi, et après essayer de retourner la situation, comme quoi c'est moi qui dois aller lui parler. La vie de ma mère, si ça doit être fini, c'est fini, c'est pas grave. Marine, je suis pas d'humeur à aller lui parler, j'ai pas envie. Elle, comme moi, on sort d'une relation compliquée, c'est pas pour démarrer une relation volcanique ou tumultueuse, j'ai pas envie. J'ai envie de quelque chose de simple. Et là, en fait, avec son attitude de la veille, j'ai qu'une envie, c'est de fuir. Oh, c'est pas très grave, hein. Ça fait 7 mois que je suis célibataire, hein. Ça m'a très bien. Je suis pas malheureux dans ma vie, hein, putain. Non, mais c'est bête que tu sois parti sur un battle. La prochaine fois, elle a qu'à se tenir. Je crois qu'elle est un peu traumatisée de la dispute. Ouais, je pense. Il faut que vous discutiez, Benji. Tu peux pas rester. Bah oui. Tu dis les choses à nous, d'accord, mais ça, il faut que tu le dises à elle, en fait. Mais j'ai pas envie de lui parler. Mais non, c'est elle qui doit le comprendre. C'est pas moi d'aller lui parler. Et le jour où elle le comprendra, elle aura grandi. Hier, je l'ai mis à côté de toi et puis. J'ai pas envie de lui parler. J'avais même pas envie. Et même si elle venait me parler. Même si elle venait me parler, j'avais pas envie de lui parler. Elle doit le comprendre. C'est pas une question de fierté de qui va faire le premier pas. C'est pas une question de fierté ou qui va faire le premier pas. C'est qu'elle m'a blessé. Elle a pas à faire ça. Et après, elle retourne la situation à son avantage. C'est trop facile. C'est trop facile. Quand je vois Benjamin aussi résilié, aussi en colère, je me dis que ça l'a vraiment touché, les paroles de Marine. Et là, pour l'instant, les deux campent sur leur position. Je pense que ça va être très compliqué. On va jamais s'en sortir de l'auberge. Hein. Franchement, les deux, ils sont fixés, ils sont butés. Je sais pas comment on va faire. Yes, ma poulette, venez, les enfants. Ouais. Kiffez, venez kiffer. On se met bien. On se met à la piscine entre copains. C'est vraiment la piscine avec les copains, tu vois. Ben, allez, mon frère, viens. Allez, Benny, c'est bon. Allez, te prendre un petit bain, ça va faire du bien. Je suis pas trop d'humeur, je suis vraiment déçu du comportement Marine. C'est l'anniversaire de Julien, donc je prends sur moi et je décide de rejoindre les autres qui sont à la piscine. Je vais essayer de m'aérer un peu l'esprit, de penser à autre chose. Allez, venez faire une petite boîte avec les copains. Ouais, ouais. De Juju, voilà, c'est bonne ambiance, c'est bonne guerre, on est tous à la piscine, on s'éclate, on passe un trop bon moment et ça nous fait du bien un petit peu d'apaiser les tensions. Regarde, ouais, Nico. Et la piscine, elle a débordé, les gars. Ice cream. Allez, filles, mais avant la battle, vous voulez pas m'entraîner un petit peu, là? Ouais, vas-y. Fais vite, fais un petit truc rapide, là. C'est battle de cahier d'école. Cahier de vacances. Vas-y, go. Aujourd'hui, moi, j'ai une battle devoir de vacances contre Greg. Donc, du coup, ni une ni deux, j'appelle Mila et Nicolas et j'essaie de leur demander de me travailler. C'est comme à l'école. Au plus tu révises, au plus t'as de chances de réussir. Bon, alors, capitale de la Norvège. Oslo, pense aux aéroports. Oslo. Ah oui, c'est vrai que ça aide, les aéroports. Bah ouais. Capitale de la Russie. Moscou. Très bien. Capitale de l'Ukraine. Prague. Mais qu'est-ce que tu dis, Kiev? C'est République tchèque. Ça va, je me casse. C'est République tchèque. Ah, je me casse. On a fait que éliminer. On est nul. On a gagné une seule battle. Une battle de tie and dye. Voilà, j'ai versé de la couleur sur un t-shirt. Waouh. Tout le reste, on a foiré. Voilà. Donc, j'espère que Ricardo, il va gérer. On a besoin de points. Faut que tu fasses genre que t'es archi calé. Tu fais genre, toi, tu t'y connais grave. Que t'as fait un bac L. Fais en sorte de gagner, putain, Ricardo. J'ai la pression, hein, maintenant, du coup. Fais en sorte de gagner, d'accord? Maintenant, j'ai la pression. Je me sens chaud patate. Je me sens l'envie de réussir. En plus, avec la discussion qu'on a eue avec ma famille hier, eh ben, je pense que si j'arrive avec une victoire, eh ben, ça va encore plus nous conforter et encore plus m'intégrer dans cette famille. Donc, j'ai pas le choix. Je dois ramener la victoire à la maison. Alain, dis-moi. J'ai une battle de devoir de vacances contre Ricardo. J'ai peur de cette battle parce que devoir en vacances, ça peut tout être. Donc, on verra comment ça va se passer. Mais en tout cas, j'espère vraiment qu'on va mettre le reste du monde au piqué. Oh, bébé, ouais! Ricardo!
Rika, Rika, Rika. Ce battle est difficile, je ne le perds pas. 500 points. Je ne le perds pas. On est là pour venir avec le contrat. On y va. On part, encouragé par toute la famille. J'en ai vraiment, vraiment, vraiment besoin pour qu'ils réalisent que je suis une plus-value. Je suis vraiment focus, je suis vraiment concentré et je suis vraiment déter à tout remporter. J'espère bien. Tout bidon. J'arrive à la battle de devoir en vacances. La pression commence à monter. J'ai un petit peu la frousse parce que j'étais bon à l'école. Mais il y avait des matières où j'étais meilleur que d'autres. Mais en tout cas, il faut vraiment que je gagne. Greg, Ricardo, bienvenue pour cette battle de devoirs de vacances. Comme quand vous étiez petit, les grandes vacances, c'était pas que les copains, les jeux, les amourettes ou les plages. C'était aussi le pénible moment des devoirs de vacances. Et pour vous, aujourd'hui, ça sera français. Oh, c'est mon point faible, on va pas se mentir. Moi, j'ai eu un bac S, mais en français, je suis vraiment mauvais, mauvais, mauvais. C'est très, très mal parti pour gagner. Devant vous, deux buzzers aux couleurs de vos familles. Je vais vous poser des questions de français sur la grammaire, la conjugaison ou encore l'orthographe. Chaque bonne réponse vous permet de remporter un point. La première famille à 5 points remporte cette battle professionnelle. Je vous rappelle que cette battle vaut 500 points. Est-ce que c'est clair pour vous? Très clair, hein. Le français, je voulais tout sauf ça. C'est la langue la plus compliquée du monde. C'est laisse tomber sur la neige, frère. Le premier à buzzer a 5 secondes pour répondre. Si c'est une mauvaise réponse, ça sera à l'autre. Pareil, 5 secondes. OK. Greg, Ricardo, est-ce que vous êtes prêts? Oui, Catalia, je suis prêt. Et on commence avec la première question. Citez-moi toutes les voyelles. Ricardo. A, E, I, O. U. Greg, U. C'est passé. Et merde! Ça y est, c'est perdu d'avance, ça va lui poser la question. Et lui, il va pas faire l'erreur, il va rajouter le Y. A, E, I, O, U, X, Y, Z. Non. Voilà. Raté. A, E, I, O, U, Y. Il y avait pas Z. Pourquoi j'ai rajouté, moi? Je suis même pas d'un, frère. 0-0. Ça commence très bien. Sérieux, Greg, il est vraiment nul, quoi. Moi, à la limite, j'en ai oublié un parce que je me suis précipité. Mais l'autre, il te récite la fin de l'alphabet. Question numéro 2. Il vous faut corriger cette phrase du film La guerre des boutons. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. La phrase dans le film, c'est « Si j'aurais su, j'aurais pas venu. » Greg. Si j'avais su, j'aurais pas venu. Non, Greg. Si j'avais su, je ne serais pas venu. C'est gagné. Un point pour toi, Ricardo, et 0 point pour toi, Greg. Guerre des boutons. 1-0 pour Ricardo. Commence mal, la battle, bon, c'est un grainage total. Et on passe à la troisième question. Pour cette question, il vous faut conjuguer le verbe voir au présent de la troisième personne du pluriel. Ricardo. Il voit. Oui. Appelle-moi. V-O-I-S. Non, Ricardo. Non, merde. Greg. Il voit, voit. V-O-I-E-N-T. C'est gagné, Greg! Un point partout, un point pour Greg, des Marseillais, et un point pour toi, Ricardo. Forcément, Greg, il laisse pas passer cette erreur. Un partout. Quatrième question, là, il faut que je me rattrape, je peux pas me permettre de lui donner de l'avance, parce qu'après, ça va être trop chaud de remonter. Alors, sur cette question, vous allez devoir me donner, chacun votre tour, un mot, d'accord? OK. Citez-moi le plus de mots possibles qui prennent un X au pluriel. Un X au pluriel? Citez-moi le plus de mots qui prennent un X au pluriel. J'ai réfléchi. Ricardo, franchement, il est autant nul que moi. Là, je pense qu'on passe pour deux nuls. Mais comme je l'ai dit, le français et moi, on n'était pas potes à l'école. Oui, vas-y. Donne-moi un mot. Voix. Grec. Je. Roux. Cheveux. Sèche-cheveux. Alors, non, là, non. Deux points pour Greg et toujours un point pour Ricardo. Greg, il me chauffe un petit peu là parce que là, franchement, 2-1,
Quand même, on n'a pas le même niveau intellectuel. Allez, Rika, ressaisis-toi. Bien. Combien il y a-t-il de lettres dans l'alphabet? Ricardo. 26. Gagné, Ricardo. Rapide, Lazéz, hein? Très rapide. Alors moi, personnellement, je savais pas du tout. Bam, il appuie. 24, c'est ça? Ou 27? Je suis bleu. Deux points partout. Citez-moi le plus d'adjectifs qualificatifs possibles. Chacun votre tour. Greg. Il. Non. Adjectif qualificatif qui qualifie quelqu'un. Parce... Greg. Il est gentil, il est gros, il est moche, il est fin. Il, non. Ah, c'est raté. Mais je comprends pas la question, en fait. C'est, en fait, c'est le qualificatif qui me perturbe un peu. Conjuguer le verbe être à l'imparfait. Greg. Je suis. Greg. Pas de l'imparfait, ça. À l'imparfait. Ouais, non, mais je suis pas bon. C'était pas parfait. Verbe, moi, tout ce qui est verbe, standard. C'est quel verbe, déjà? Être. Être. À l'imparfait. Ce qui est conjugaison, on n'est pas copains. Excusez-moi, mais je parle toujours au présent, moi. J'ai pas besoin d'utiliser l'imparfait, hein. J'étais, tu étais, il était, nous étions, exactement, vous étiez. Allez, suivante. Mauvaise réponse, Greg. Donc, un point pour Ricardo. Ça fait maintenant 3 points pour toi, Ricardo, et 2 points pour toi, Greg. Question suivante. Dans cette phrase, quel est le sujet? Écoutez-moi bien. La pomme a été mangée par Maëva. La pomme? Eh oui, Greg. 3 points partout, les garçons. Égalité parfaite. Là, il n'y a pas d'écart entre nous. Ça a l'air équilibré alors que ça ne devrait pas. Mais c'est le premier arrivé à 5 points qui gagne. Donc là, ça est en train de se jouer sur un fil. Allez. Alors, citez-moi le plus de verbes au premier groupe. Au premier groupe de verbes. Le plus de verbes possibles du premier groupe. Ah. Greg. Manger. Oui. J'ai eu peur. Avaler. Oui. Voyager. Oui. Voler. Oui. S'envoler. Oui, ça passe. Des verbes du premier groupe. Il y en a des centaines, donc du coup, je reste focus, je reste concentré. Et j'ai vraiment envie de gagner, moi. Naviguer. Oui. Partager. Oui. Voler. C'est déjà dit. Ah, la papiche. 4 à 3. Greg, si tu remportes la prochaine question, tu remportes cette battle. Tout va se jouer maintenant sur cette prochaine question. J'ai une pression de ouf. Greg, c'est lui qui a la balle de match. J'ai pas le choix. Je dois rentrer avec cette victoire. Si je perds, je vais m'en vouloir à vie. Ricardo, tout n'est pas joué. Voici la prochaine question, les garçons. Vous allez me dire comment s'écrit bon anniversaire. Greg. Alors, bon anniversaire. Mm-hmm. B-O-2-N-E. Mm-hmm. Anniversaire. A-2-N-I-V-E-R-S-A-I-R-E. Allez, Badak. Mauvaise réponse. Pourquoi? Donc, c'est B-O-N-A-N-N-I-V-E-R-S-A-I-R-E. Parfait. Bonne réponse. Parfait. Eh oui. Je me suis trompé sur quoi? Anniversaire, un anniversaire. Un anniversaire. Eh ben. Bah, il n'y a pas 2 N à bonne. Bingo, c'est un point pour moi. Rien n'est joué, tout est à jouer. Faites vos jeux, rien ne va plus. Les garçons, vous êtes à égalité. Le prochain qui remporte la question remporte cette battle à 500 points. C'est chaud parce que dernière question, donc 4 à 4. J'ai la pression, je suis pas bien, je suis sous tension. Conjuguer le verbe aller au futur. Ricardo. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Terminé. Mauvaise réponse. Quelle erreur bête, quelle erreur de débutant. Maintenant, le gars, il a plus qu'à mettre la balle et c'est terminé pour moi. Greg. Le verbe aller au futur. Oui, au futur. Cinq secondes, c'est fini. Nouvelle question. Et c'est fini. J'irai. Et tout, mon erreur. Tu iras. Ah. Je vais. T'as commencé par je vais. On se plante tous les deux. Ouh.
Donc là, je pense que vraiment tous les deux, on la ressent cette pression et on est en train de la vivre. Est-ce que vous êtes prêts, les garçons? Oui. Je répète, celui qui remporte cette question remporte cette battle. Comment s'écrit le mot bijou au pluriel? Ricardo. B-I-J-O-U-X. Bonne réponse, Ricardo, c'est gagné! Yes! Oui! C'est gagné! C'est gagné! Alléluia! Enfin, enfin, on ramène une victoire à la maison. Purée, il était temps! Ricardo, félicitations! Yes! Victoire! Voici ton contrat! 500 points pour ta famille, Ricardo. Merci félicitations! Beaucoup. Merci. Yes! Je suis soulagé parce que oui, on ramène des points, mais deux, je prouve à ma famille que je suis un bon élément et qu'ils ont besoin de moi s'ils veulent lever la coupe à la fin. Il est temps pour vous de retourner à la villa et je vous donne rendez-vous dans l'après-midi pour un nouveau duel des champions. Ok, merci. Parfait. Ah, merci. C'est le moment de rentrer à la villa et je vais annoncer à mes fratés que tout simplement j'ai perdu. Voilà, moi j'apprends vraiment la réaction des Marseillais. Le problème, c'est qu'en perdant cette battle, voilà, je mets... Mais ma famille est un petit peu dans la mouise, donc je suis dégoûté de ne pas avoir gagné. We have your attention, please. On n'arrête pas de gagner en ce moment. Ah ouais, vous faites le malin. Passé en carton. Oh, la guerre est déclarée. Oh, je fais bombarder. Bouclier. Showtime. J'ai les nerfs. Hein? Ça fait 5 heures de soleil. Ok. J'ai cramoisi au soleil. Maeva. Maeva. Yeah, yeah, yeah. Yeah. C'est peut-être l'amour de ma vie. Terminé, je suis célibataire. Je m'en fous. Ciao. Oh là là, je le prendrai mal. C'est des ouf. Hein? Duel des champions. Nicolas. Il me faut des points. Ton anniversaire, je veux que tu gagnes pas aujourd'hui. Fermez vos tronches. Oh. S'il vous plaît. Des gens. T'es pas sérieux. Oh non. Désemparé. Allez, Veletchi. Voilà.